Faire référence à Hollywood, CEST souvent penser à des stars dont on connaît tout. D'ailleurs, il n'est pas rare que certaines stars exposent leur vie privée pour le plus grand bonheur de leurs fans. Seulement, toutes les stars ne font pas cela. Il y a des cas comme celui de Michelle Monaghan et de son mari, Peter White, qui mettent une véritable distance entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Dans le cas de l'actrice, Michelle Monaghan, elle ne divulgue que peu d'informations sur sa vie privée, notamment sur ses enfants. Pourtant, la belle actrice de Mission Impossible est la mère de deux beaux enfants. Après leur rencontre, lors d'une fête en 2000, Michelle Monaghan et Peter White se marient le mois d'août 2005. De cette relation naîtront deux beaux enfants, une petite fille et un petit garçon. L'aînée, la petite fille, s'appelle Willow Catherine White. Elle est née le 5 novembre 2008. Pour ce qui est du petit garçon, il s'appelle Tommy Francis White, et est né le 30 octobre 2013. Malgré sa discrétion sur leur vie de famille, le couple échange volontiers avec ses fans. D'ailleurs, le porte-parole du couple avait annoncé à People la naissance du petit Tommy en 2013 avec « Ils ont accueilli leur deuxième enfant au monde ». Michelle Monaghan a toujours désiré avoir des enfants. L'actrice de 46 ans aurait toujours rêvé d'avoir des enfants, selon Voici. D'ailleurs, la star avait avoué qu'elle aimait les enfants bien avant d'être mère. J'adore les enfants et c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, devenir mère et avoir des enfants, avait-elle confié. Si ce genre d'envie passe après le premier enfant, ce n'était visiblement pas le cas de Michelle Monaghan qui a réalisé l'un de ses rêves. Après tout, elle a défini elle-même le fait d'être mère comme étant Noël toute l'année. Si est-il un amour si profond? Il y a quelques semaines, je la voyais découvrant ses propres orteils. Elle les a agités et ses yeux sont devenus si grands, avait-elle expliqué juste quelques mois après la naissance de sa fille, Willow. Ses débuts ont été mouvementés du signe du bélier. Michelle Monaghan est née le 23 mars 1976 dans l'Iowa. L'actrice avait fait du théâtre au lycée avant de migrer vers le journalisme lors de son déménagement à Chicago. Elle a également été mannequin afin de financer ses études universitaires. Seulement, elle a décidé d'arrêter l'université pour se concentrer sur le mannequinat à New York. CEST dans New York, au petit écran qu'elle fait ses débuts d'actrice. Quant à ses débuts sur le grand écran, c'était en 2001 dans Perfume. Dès 2002, son visage devient familier au public dans la série Boston Public. Elle a obtenu son premier rôle en 2005 dans le film Kiss Kiss Bang Bang. Un rôle qui a lancé sa carrière.